Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est, j'ai même pas pensé qu'un jour je viens ici. Hein, je connais pas. Je connais la religion chrétienne, aller à l'église, prier. J'ai des amis, mais on parle pas sur la religion. D'accord. Chacun il a sa religion. Sa religion. Et ça fait pas longtemps qu'une amie, elle est venue travailler avec moi. Et un jour, on a un grand respect, on ne parle pas trop. Un jour, elle vient me voir, elle me dit, tu veux pas suivre Jésus. Jésus. Je l'ai regardée comme ça, je dis, elle ose celle-ci. Jamais quelqu'un parler comme ça. Après, j'ai rien répondu. Je suis partie, j'ai terminé mon travail. Je suis rentrée chez moi et ses paroles, je dis pourquoi elle me parle à moi, pourquoi elle m'a dit ça. Waouh. Et après une semaine, je suis partie la voir, je lui dis est-ce que tu peux me dire plus sur Jésus. Waouh. Waouh. C'est beau. En fait, j'ai rêvé à un rêve, mais je voulais pas lui dire. J'ai rêvé, quand elle m'a dit, deux jours après, j'ai rêvé un homme très grand. J'ai pas vu trop son visage, mais à un certain âge, il est trop grand. Et il avait un livre. Il m'a dit, la vérité, elle est dans ce livre. Waouh! Alléluia! Ah, c'est beau ça! Attendez. Attendez, tu es originaire de quel pays? Moi, j'ai moitié Tunisie, moitié Algérienne. Donc, Tunisie et Algérie. Et tu as fait ce rêve, cet homme géant, tu n'as pas pu voir son visage. Et il avait un livre et te dit, la vérité est dans ce livre. De quel livre parlait-il à ton avis? Je ne sais pas, c'est pour ça que j'avais des questions. Et après, je lui dis, j'ai rêvé ça. Elle m'a dit, c'est Jésus. Je lui dis, bah, je ne sais pas exactement ce que Jésus, parce que tout ce que j'ai vu, c'est ça. Il était beau. Il était beau, il était grand. Bon, j'ai pas vu son visage, mais. C'était comme une silhouette lumineuse. C'est ça. Voilà. Ben c'est ça, Jésus. Alléluia! Après, maintenant, je voulais savoir plus. Je lui posais des questions. J'essaye d'être souvent avec elle pour savoir plus. Et elle m'a dit... Et je suis venue pour savoir plus. Et j'ai rêvé aussi un rêve que elle m'a donné le livre. Elle m'a dit tu peux lire, tu peux savoir plus. Et le soir même, j'ai rêvé un serpent qui est rentré dans mon corps et dans le corps de mes enfants. Et c'était un grand serpent et que je me suis levée parce que j'avais peur. Il tenait, j'avais ma main bloquée, je pouvais pas bouger ma main. Et le lendemain, j'ai rêvé aussi que il y avait comme un diable qui tenait ma tête pour ne pas regarder le livre. Et c'était. Et après, je me suis levée parce que c'était vraiment choquant que j'ai trouvé ma tête bloquée et je sentais les mains qui serraient trop ma tête. Je vous dis la vérité, ça fait des années et des années que je souffre avec mes enfants. Il m'arrive des choses graves, je ne sais pas, et je trouve pas mon chemin, je trouve pas des réponses. Et tu es venue ce soir ici? C'est la troisième fois que je viens ici. Mm-hmm. Et j'ai adoré la première fois quand je suis venue. Et j'ai dit,
ah, c'est la première fois que je vois des gens qui se réunissent pour juste adorer le Dieu. J'ai dit, mais et ils demandent pas l'argent, ils sont simples, mais ils sont là juste pour adorer le Dieu. J'ai adoré, j'ai pleuré, j'étais là, j'ai pleuré quand je suis rentrée moi, j'ai pleuré, je pleure tous les soirs, je prie et je pleure tous les soirs parce que c'est tellement beau. Et merci à tout le monde. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Oui. Oh, alléluia. Alléluia. Waouh. Est-ce que tu es baptisé? Non. Tu veux le baptême ce soir? Oui. Alléluia. Alors, on va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prier pour elle. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vient de la sauver. Deux jours. Tu as réveillé. Parce que là, je prie, je dis, mon Dieu, il faut que je sens ta présence dans ma vie. Parce qu'on veut, en fait, je veux pas croire à n'importe quoi parce que il y a plusieurs religions, il y a plusieurs choses. Je veux voir la vérité. Et j'ai rêvé que j'étais dans un jardin, mais jardin, il y avait rien. C'était que la terre. C'était que la poussière, que la terre. Et il y avait des gens ici, et tous, c'était des chrétiens. Et tous, on cherchait quelque chose. On cherchait en fait des pommes. Et ils cherchaient des pommes, mais les pommes, il n'y avait pas beaucoup. Et moi, j'ai mis ma main sous la terre, et j'ai trouvé une pomme, et elle était belle, elle était grande. Et je l'ai pris comme ça, et tout le monde, il voulait la prendre. J'ai dit non, c'est pour moi et mes enfants. Et la pomme s'appelait la pomme de l'amour. Je ne sais pas c'est quoi. Waouh! Eh bien, dans 1 Jean, dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il est dit que Dieu est amour. En fait, tu as trouvé Jésus. Waouh! Alléluia! C'est magnifique! Magnifique Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. On l'amène au baptême. Alléluia. Tu peux l'accompagner, hein, s'il te plaît, merveille. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus le Seigneur.